Bonsoir, bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. Nous en sommes à la 12e heure et nous sommes dans le centre économique et culturel du Midwest, Chicago. C'est la troisième plus grande ville des États-Unis. Elle est bordée par le lac Michigan et son agglomération recense près de 10 millions d'habitants. Elle a souffert et souffre encore de pas mal de clichés que nous allons nous efforcer de chasser durant cette émission. Et pour ce faire, j'ai à mes côtés Renée Johnson. Vous êtes présidente du comité Paris-Chicago et Juan Luis Goujon. Vous êtes président de la Fac de Chicago et également de BPI aux USA. Alors tout de suite, je vais saluer également Graham Paul, qui est consul général de France à Chicago. Monsieur Paul, nous entendez-vous ? Tout à fait. Très bien. Très bien. Bonsoir. Alors, bonsoir. Monsieur Paul, puisque nous avons la chance de vous avoir en ligne, pouvez-vous nous faire rapidement une présentation de la communauté française présente à Chicago ? Combien sont-ils ? Quel est leur profil ? Et avez-vous observé une évolution ? Merci. D'abord, meilleurs voeux en ce début d'année. La communauté française à Chicago est de l'ordre de 3500 personnes, 3500 personnes enregistrées au consulat. C'est une communauté d'abord jeune, près de 60% à moins de 40 ans, donc une communauté très jeune, une communauté très bien intégrée, avec environ 40% de franco-américains. Une communauté qui progresse, on a à peu près l'année dernière, les derniers chiffres, c'est presque 7% de progression. Donc une communauté dynamique, grâce notamment à des institutions comme les associations, mais aussi le lycée français, l'école franco-américaine dont vous parlerez probablement, ainsi que la chambre de commerce et bien sûr l'Alliance française. Merci monsieur le consul. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'être à nouveau en contact avec vous, mais si vous le souhaitiez intervenir durant l'émission, n'hésitez pas à nous faire signe. Alors effectivement, Chicago est une ville dynamique. Chicago, vous l'avez dit, Renée Johnson, quand on avait discuté ensemble avant, c'est la ville de tous les défis. Absolument. Alors, est-ce qu'en très peu de mots, on pourrait parler de l'histoire de Chicago ? L'influence française est forte. Hein. Absolument. Louis XIV et Colbert ont décidé d'investir la Nouvelle-France, c'est-à-dire qu'ils sont venus du Québec. Et c'est à ce moment-là que Joliette et le père jésuite Marquette ont installé un fort en 1670 dans leur conquête pour trouver le Mississippi. Alors, et ensuite, vous avez Jean-Baptiste Pointdusable, 100 ans plus tard, qui installe un fort à Chicago. Voilà. Donc, et en 1840, il est très bon de noter que la population de Chicago est de 4400 habitants et qu'aujourd'hui, elle est de 2 millions. Plus de 2 700 000 habitants, ce qui montre la puissance d'évolution de Chicago. Voilà. Tout à fait. Alors, Paris-Chicago, c'est une histoire d'amour. Il y a un jumelage entre Paris et Chicago. Absolument. Et donc, il y a un comité Paris-Chicago, mais il y a aussi un comité Chicago-Paris. Absolument. Présidé par Brett Auguste et assisté de David Reithofer. Et en fait, il y a un pacte d'amitié et de coopération économique qui a été signé en 1996 entre la ville de Chicago et la mairie de Paris. Alors, nous faisons beaucoup de choses, que ce soit pour promouvoir les échanges institutionnels, culturels, économiques, scientifiques, etc. Et nous faisons beaucoup de choses dans les deux sens. Vous avez cité David Reithofer, ça tombe bien. Voilà. Parce qu'on va l'écouter tout de suite, justement pour chasser une première idée reçue. Voilà, alors, est-ce que Chicago est une ville dangereuse, David ? Bonjour Paris. Je vous dis que Chicago est une ville bien sécure et bien belle. Al Capone est mort. Et tous ses copains sont morts. Vous pouvez venir à Chicago, vous installer, faire du tourisme et être très sécure. Il y a bien sûr des quartiers où il ne faut pas aller. C'est comme toutes les grandes villes partout au monde. Mais vous avez un grand centre-ville où il y a beaucoup de monde de partout dans le monde. Et on peut aller n'importe où, n'importe quand, avec un système de transport très bien. Et vous êtes bien sûr partout où vous allez. Alors merci David, merci pour cette vidéo et merci aussi pour toute l'aide que vous m'avez apportée dans le montage de cette émission. Juan Luis, vous vivez à Chicago. Qu'est-ce que cette vidéo vous inspire ? Bonsoir, meilleurs voeux.
et merci de m'avoir invité à votre programme. Je suis tout à fait d'accord avec David. Ça fait maintenant 7 ans que j'habite à Chicago avec ma famille. Et je peux vous dire que dans ces 7 ans, je n'ai eu aucun problème de sûreté. Je ne me suis jamais senti en danger. Et comme dit David, c'est vrai que comme par toutes les grandes villes du monde, il faut éviter certains quartiers. Mais je vous dirais que je voyage beaucoup et peut-être Chicago est une des villes où je me sens le plus sûr. René. Absolument, j'ai habité Chicago, extraordinaire sécurité. Je n'ai jamais eu aucun problème. Et je dois dire qu'elle est très surveillée. Il y a quand même énormément de police à Chicago. Voilà. Alors, donc ça, c'est une première idée reçue, chasser. Alors, il y en a une autre qui concerne son aspect. Alors, Chicago est perçue toujours comme la... Enfin, toujours par beaucoup qui n'y sont pas allés, comme la ville des abattoirs, c'est une ville triste, c'est une ville sale, alors qu'elle est magnifique. Exceptionnelle. Deux couleurs, il paraît. Ah, c'est la plus belle ville contemporaine des États-Unis, certainement. Il y a deux couleurs dominantes, il paraît, à Chicago. C'est exceptionnel. Le Chicago. Bleu et le vert. Voilà. Non, mais c'est au bord du lac. Le lac se trouve devant nous, que nous soyons. Les immeubles, les gratte-ciels, générés par Burnham. Oui, alors ça, on va en parler justement dans toute la partie architecture de la ville. Ouais. Oui, des gratte-ciels extraordinaires. Et tout cela au bord du lac Michigan, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors, justement, c'est une renaissance qui a commencé il y a une vingtaine d'années, hein, je crois, à Chicago. Il y a 20 ans, ce n'était pas aussi beau. Et on va écouter Pierre-Louis Giacotto, qui est conseiller du commerce extérieur de la France et qui est le directeur général du Radisson Blue Aqua, nous parler de la métamorphose de Chicago. Et après, justement, on pourra évoquer la réalité de Chicago, son architecture, etc. On l'écoute tout de suite. Alors, la deuxième chose que je voulais vous expliquer un petit peu sur la ville de Chicago, c'est la métamorphose qui s'est passée ces 20 dernières années avec un aménagement de la ville qui a été quand même assez impressionnant, avec des aménagements de parcs formidables. Et derrière moi, par exemple, vous avez ce qu'on appelle le Millennium Park, qui se trouve là juste derrière moi, qui en fait, au départ, était une gare ferroviaire. Donc cette gare ferroviaire existe toujours, mais elle se trouve maintenant en dessous d'un parc, comme nous faisons en France, par exemple, des parkings souterrains. Donc ici, nous avons non seulement un parking souterrain, mais nous avons une gare ferroviaire sous le parc, ce qui nous a permis de garder un espace complètement ouvert sur le lac et la beauté du lac Michigan pendant toute l'année. Nous avons également dans ce parc des musées incroyables, un musée d'art moderne, les musées d'art normal, international, avec des artistes comme Monet, Manet, et bien entendu tous les autres musées, musées de sciences et d'industrie, et tout ce qui est théâtre. Alors nous avons toute une rue qui se trouve juste à côté de chez nous, qui est une rue qui s'appelle Randolph Street, qui a une rangée de théâtre où vous avez des représentations théâtrales pendant toute l'année. Et ce sont en fait des représentations qui viennent de New York, de Broadway, et des représentations internationales. Alors, c'est vrai que tout le monde ne le sait pas, mais à Chicago, il y a la plage. Absolument. Alors, est-ce que vous profitez de la plage à Chicago l'été, hein, on va dire l'été, hein? Oui, oui. Je pense que le lac, pendant 6 mois, 7 mois de l'année, la ville de Chicago se tourne vers le lac. C'est le lac qui devient le centre de la ville. C'est où les activités se passent. Il y a des concerts. Évidemment, on fait du bateau aussi. On fait évidemment du bateau. Il y a la plage. On peut faire, il y a même un terrain de golf qui est collé au lac. Donc, la possibilité que vous donne le lac de Chicago pendant ces 6 mois sont absolument incroyables. Et c'est peut-être une des rares villes où on peut pratiquement être au bureau, prendre un café, se baigner et retourner travailler. Alors ça, c'est sûrement vrai parce que vous êtes le troisième à me le dire. Donc... Alors... C'est probablement une des rares villes au monde où vous pouvez combiner ces choses-là. Pendant 6 mois de l'année. Oui, après on va parler du climat, on parlera ça va du se gâter climat. Un tout petit peu, mais bon. Par rapport à l'architecture, René, tout à l'heure, vous m'avez parlé d'une anecdote concernant Haussmann et Chicago. Absolument. Quelle est-elle ? Daniel Berman, en 1906, s'est inspiré du travail de Haussmann à Paris et a voulu faire de Chicago la capitale américaine. Ressemblant à Paris. Voilà, Daniel Berman. Il a complètement remodifié les plans, etc. Il en a fait la ville qui est à l'heure actuelle celle
qui prend ses racines sur le travail de Haussmann. Voilà. Ce qui confirme encore une fois une francophilie, Je tiens à dire, pour rebondir sur ce sujet, qu'il y a 70 théâtres à Chicago. Oui, d'ailleurs, il évoquait un genre de... Et que nous avons pu faire installer un entourage de métro de Guimard au Millennium Park, sur Michigan Avenue et Van Buren. Là où Obama avait fait son discours. A fait son fameux discours. Il y a un symbole de Paris. Là. D'accord. Alors, il semblerait aussi qu'il y a des quartiers, un petit peu comme à San Francisco ou à New York, des quartiers par spécificité. Il y aurait le quartier des artistes, le quartier de la musique, des restaurants. C'est vrai? Est-ce qu'on s'amuse bien à Chicago? Oui, c'est une ville qui a une offre culturelle incroyable, gastronomique. Comme disait René, point de vue théâtre. Des bons restos français? Français et non français. Plus de 60 musées à Chicago, dont le fameux Art Institute. D'accord, très bien. Qui fonctionne beaucoup avec le musée d'Orsay à Paris. Et il y a également Oak Park. Alors, est-ce que vous connaissez Oak Park? Est-ce qu'il vous est arrivé d'y aller? Oui. Paris, c'est un charmant village. Absolument. La banlieue de Chicago est très jolie. De toute façon, la banlieue de Chicago apporte beaucoup d'agréments. Vous êtes d'accord, certainement. Vous vivez où, Juan Luis? J'habite à Lincoln Park. Donc, c'est au nord du lac? C'est collé au lac, vers le nord, oui, absolument. Là où est la communauté française, cause du lycée, je crois, non? Le lycée, oui. C'est un centre, c'est un pôle d'attraction pour essayer d'être normalement le plus près possible. C'est pour ça que Lincoln Park est un endroit. Il y a aussi une école française qui est une école de la ville de Chicago, qui combine les études en français et les études en anglais. D'accord. C'est quand même une spécificité très particulière de Chicago, où une école publique américaine, Chicago, on peut faire ses études en français. Donc elle doit pas être chère, elle. Elle doit pas être chère. Et ça nous amène justement au prochain sujet qu'on va traiter après une courte pause et qui concernera le coût de la vie. Voilà. Donc on fait une pause et puis on se retrouve après. Nous nous retrouvons sur le plateau des 24 heures chrono pour cette émission consacrée à Chicago, avec à mes côtés René Johnson, qui est présidente du comité Paris-Chicago, et Juan Luis Goujon, qui est président de la fac de Chicago et de BPI USA. Alors tout de suite, donc, on va s'intéresser à des aspects un petit peu plus terre à terre. On va parler donc du coût de la vie à Chicago et on va tout de suite poser la question à Anne Robert. Que peut-on dire sur le coût de vie à Chicago? D'une manière générale, nous estimons que le coût de la vie à Chicago est 40% moins cher que celui de Paris. La nourriture est 40% moins chère en moyenne, le logement 80% moins cher, les loyers à Chicago même sont 21% moins chers qu'à Paris, en excluant la banlieue, les vêtements sont 60% moins chers et les transports 20% moins chers. Alors, Juan Luis, Chicago, 40% moins cher qu'à Paris?
Je pense que c'est avec vrai que le c'est, change, c'est, peut-être. C'est moins cher, c'est évidemment, c'est moins cher que Paris. Paris est une ville, tout le monde le sait, une ville chère. C'est moins cher. Peut-être quand on parle de 40%, il faudrait voir comment on mesure l'effet dollar-euro. Ça oui, avoir une attention. Parce que déjà, ça a l'impact bien. Ça a l'impact, oui. Ça a l'impact important. Mais oui, il est clair qu'en termes de coût de vie, la ville de Chicago est moins chère que la ville de Paris. Quelques exemples, par exemple, je ne sais pas, louer une maison dans un quartier, dans le quartier français, vous avez des idées de tarifs Bon, non. Peut-être, c'est peut-être le loyer, tout ce qui est habitation, ou les différences avec Paris sont peut-être les plus grandes. Et là, oui, on pourrait. Là, on peut parler, on peut de 40%. Parler de 40% sans aucun doute, dollar-dollar ou euro-euro. Par contre, restaurant, transport, sortie, on est à peu près dans les mêmes eaux. Ça dépend, une fois de plus, comment vous faites le change euro-dollar. Oui. Mais par exemple, tout ce qui est restaurant, c'est beaucoup moins cher que Paris, pour la même qualité, évidemment. D'accord. Alors, Chicago, c'est aussi la ville des plus. Alors, énumérez-les-nous, s'il Absolument. Vous plaît, René. Chicago, c'est le plus dynamique aéroport du monde. Le plus vaste terminal ferroviaire. Le plus grand port intérieur. Le premier plus haut gratte-ciel du monde, la Willis Tower, jusqu'en 1998. Après, elle a été supplantée. Le plus immense centre mondial des congrès en Amérique du Nord, McCormick, où s'est installé Google avec 5 qui vient de louer. Ça, voilà. Le plus important centre de commerce de gros, 20 000 visiteurs professionnels par jour, le Merchandise Mart. Et elle est l'une des plus grandes bourses mondiales pour les options et les marchés à terme, le Chicago Mercantile Exchange. Ça, c'est, le plus, ça, c'est excessivement important. Puis-je ajouter une petite chose? Oui. Il faut bien dire que situé à la jonction d'un lac beaucoup plus grand que la Suisse et d'une région agricole et oui, industrielle presque aussi carré, grande que l'Europe, oui. Chicago était assuré de sa réussite économique. Tout à fait. Et ce n'est pas vous qui êtes président de la fac qui allez me contredire, j'imagine. On en parlera tout à l'heure, d'accord. Mais je crois qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Alors, on vient d'évoquer les plus. On va peut-être quand même commencer à parler des moins. Et notamment, on va évoquer le climat à Chicago, surtout en ce moment. Et pour ce faire, on va écouter Julien Rozan. Julien Rozan qui est à Chicago et qui va donc nous parler du climat. Bonjour Paris, c'est Julien en direct de Chicago, de Windy City. Donc voilà, donc Windy City parce qu'il y a quand même du vent à Chicago et il fait assez froid l'hiver. Le climat est très agréable l'été, on a pas mal de soleil, il y a la plage juste à côté. Mais l'inconvénient c'est que les hivers sont rigoureux. Donc voilà, on peut descendre jusqu'à moins 20 durant l'hiver, donc il vaut mieux avoir son bonnet. Donc voilà, donc Chicago est une ville vraiment très belle et l'été et l'hiver. C'est une ville totalement différente. Voilà, mais bon, je conseille plus de profiter de Chicago durant l'été, quand il fait très très froid. Bon, avec l'actualité, on va peut-être pas le contredire, surtout ces jours-ci, je crois. Oui, moins 35, là. Oui, mais je dois dire que Chicago est extrêmement bien équipé, avec des galeries absolument partout. On peut très bien aller d'un immeuble à l'autre. Vraiment, il y a des centres commerciaux comme qui à Montréal, se communiquent. Et on reste dessus. Voilà, absolument. Donc l'hiver, il est ce qu'il est, mais Chicago est bien équipé pour cela. Voilà. Vous êtes arrivé quand de Chicago, là? Je suis arrivé hier. Alors, donc la semaine dernière, c'est vrai qu'il a fait très froid. On a eu moins 25. Mais je rejoins René sur le fait que la ville est équipée pour ce genre de situation. Voilà, voilà. À l'image de Montréal, neige, etc. Je dirais que c'est quand même, je dirais que je connais Montréal, je pense que c'est mieux que Montréal. C'est même mieux que Montréal. C'est mieux que Montréal. Oui, absolument. En termes de disruption de votre vie quotidienne, vous n'êtes pas du tout impacté par la rigueur de l'hiver. On peut se déplacer, vraiment, c'est incroyable. Et de même pour l'aéroport, moi je voyage beaucoup, et je peux vous dire que je n'ai évidemment parfois des problèmes quand on en a partout, mais par exemple, on a beaucoup moins de retard dans des situations similaires que dans d'autres villes. Dans d'autres quand villes il faut atterrir en temps de brouillard à Roissy, par exemple comme il y a 15 jours. Et l'été? Alors, l'été, c'est agréable, il fait bon. C'est magnifique. C'est quoi, 24? Ça peut aller jusqu'à 30. Un peu plus, 30.
30. Mais vous avez toujours cette brise qui vient du lac qui vous rafraîchit. On a oublié de parler de la Windy City. C'est ce qu'il dit au début de sa vidéo, le vent. Oui. La Windy City. Il y a beaucoup de vent. Il y a énormément de vent. Ah. Une brise extraordinaire. Voilà. C'est agréable. Très, très bien. L'été. D'accord. Alors, parlons un petit peu des gens du Midwest. Je sais que vous les aimez beaucoup. Ah, je les adore. Comment ça se passe l'intégration là-bas à Chicago? Ça se passe très bien parce que l'Américain du Midwest est quelqu'un très ouvert et quelqu'un qui est prêt à accueillir, qui a l'habitude d'accueillir des gens qui viennent du monde entier. C'est l'histoire de l'Amérique. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a aucun sujet à arriver à Chicago et se faire être tout de suite accepté. Bien accueilli, accepté et dans des efforts de vous intégrer le plus rapidement possible à la communauté. Chicago est très reconnu. Et l'esprit du travail. Je pense que c'est important de le dire. Moi, je suis évidemment dans le conseil, en plus en ressources humaines. Mm-hmm. Et j'ai trouvé au début même choquant ce sens du travail, ce sens du devoir. Pourquoi choquant? Parce que je venais d'autre part du monde. Ouais. Ce n'est pas tellement. Vous veniez d'où? Ce n'est pas tellement. Et c'est toute génération, donc c'est vraiment, vraiment incroyable. Quand vous vous établissez dans le Midwest, c'est un avantage compétitif, cette qualité humaine et cette qualité et ce sens, encore une fois, je veux le répéter, ce sens du travail. Une grande aide de tout le monde. D'accord. Tout le monde aide. Alors, puisqu'on vient d'aborder justement le sujet du travail, et on en arrive tout naturellement à la partie un petit peu plus économique de l'émission. Merci beaucoup, René. Vous m'avez beaucoup aidé, vous aussi. Et Juan Luis, on va se retrouver tout de suite après. Donc, on va regarder un petit sujet. Ce sont les facilités notables que Jonathan Broutin, qui a monté Siegel Institute, souhaite souligner. On va l'écouter maintenant. Bonjour Paris, bienvenue à Chicago. Vous êtes ici dans mon appartement. Je m'appelle Jonathan Broutin et j'habite à Chicago depuis 7 ans. Il y a 3 ans, j'ai lancé une organisation qui s'appelle Siegel Institute et qui a pour vocation d'organiser des séjours éducatifs pour des étudiants de commerce français de Bac plus 1 à Bac plus 5. Alors la question qui m'est posée est de savoir si j'ai observé des différences et les facilités lorsque j'ai lancé mon entreprise ici aux États-Unis. Je dirais que certainement oui. J'ai pu observer des facilités, mais qu'elles ne sont pas celles que vous pouvez imaginer. À mon sens, ces facilités ne sont pas des facilités administratives. La vraie différence, c'est une différence de mentalité. C'est une différence d'attitude. C'est la fameuse can-do attitude qu'on trouve aux États-Unis, et spécifiquement, évidemment, à Chicago. Cette attitude, cet état d'esprit, cette philosophie de se dire que quand on a un pourquoi qui nous fait vivre, on supporte tous les comment. Pour moi, c'est ça la vraie différence, c'est ça la facilité. C'est ce que j'ai appris et eu la chance d'apprendre pendant les 7 années où j'ai vécu ici et qui fait toute la différence dans l'entrepreneuriat, dans la prise de décision. Je vais vivre effectivement des difficultés, on en vit tous, mais ce n'est pas ce qui m'arrive, mais ce que je vais en faire qui va faire toute la différence. Et c'est cette mentalité, cet état d'esprit qui, à mon sens, nous aide ici en tant qu'entrepreneurs et qui font toute la différence. Alors justement, pour parler d'implantation, Marc Srebo, vous venez nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir, vous êtes président des Easymétriques, donc une société implantée à Chicago depuis 2009. Et Pascal Bensidoun, vous êtes bonsoir, vous êtes créateur du Chicago French Market. Qui a été créé donc Il a ouvert en décembre 2009. Décembre 2009. Et nous avions implanté les French Market, les mêmes marchés que nous gérons sur la ville de Paris, autour de Paris, en 1996. Ah, donc c'est une belle réussite. En quelques mots, qu'est-ce que c'est et comment parler de cette success story? Bah écoutez, en 96, donc on a monté notre premier French Market, un marché découvert sous Barnum parisien à Wheaton, dans l'Ille-et-Loin, dans la proche banlieue de Chicago. Et rapidement, on a monté des marchés dans d'autres villes, dont la ville de Chicago. Et en 2009, on a ouvert le premier marché couvert de la ville de Chicago. D'ailleurs, c'est le seul marché couvert dans Chicago et qui se trouve à Metra Station, au Ogilvie Transportation Center. Et dans un endroit où il n'y avait rien, on a monté le French Market. Donc c'est un petit peu comme les Halles de Lyon, on y fait ses courses, on peut y manger. Tout à fait, tout à fait. Il y a
un boucher, il y a charcutier, il y a fromager, il y a fleuriste, poissonnier. Et puis, vous avez des crêpes, vous avez de nombreux restaurants à l'intérieur. Et le midi, il y a des milliers de personnes. On a 7000 personnes qui passent par jour. D'accord. Et qui viennent se restaurer. Le midi, c'est difficile de trouver une place. Très bien. Marc, vous l'avez donc monté, vous m'avez dit, en 2009 aussi. Et alors, Isimétrique, en quelques mots, qu'est-ce que c'est et pourquoi avoir choisi Chicago ? Alors, Isimétrique, en quelques mots, créé en 2003 en France. On avait déjà des clients aux États-Unis, mais nos clients voulaient, on sentait qu'on s'installe aux États-Unis. Même si on est à l'est, admettons, des États-Unis, qu'on travaille avec l'ouest, le fait d'avoir une implantation aux États-Unis fait qu'on rassure. D'où Isimétrique, on a choisi Chicago pour une chose très simple. Déjà, on avait des prospects qui étaient autour. Mmh. D'autre part, c'est une ville qui a 9h30 de vol, qui n'est pas très loin de la France. Il y a 6 heures de décalage. On a entre 6 et 7 heures suivant l'hiver. Donc, c'est vraiment la localisation qui vous a... Tout à fait. D'autre part, en plus, pour travailler, c'est assez simple. Quand il est 14 heures, il est 8, 9 heures à Chicago. Ah oui, oui. Ce qui nous permet, si on s'était installé sur la côte ouest, on serait avec 9 heures de décalage. Et là, c'est très difficile de travailler. Et là, ça marche bien, Isimétrique. Là, ça fonctionne réussi bien. Réussi sur le marché américain. Oui. Ça se passe bien. Très bien. Alors, bon, les facilités notables, il les a évoquées, c'est vrai, c'est facile de monter sa société. Tout est assez simple et tout est fait pour l'entrepreneur aux USA. Alors, on est d'accord. Tout à fait. On est d'accord. En revanche, il y a des choses à ne pas faire. Et là... Allons-y, parlons du respect des règles, par exemple. Et comme partout, il faut respecter les règles. Donc, il y a des règles pour pouvoir s'installer, il y a des règles à respecter, puisqu'il y a des codes de la ville de Chicago. C'est il y a des codes plus fort que. Ah, tout à fait. Il faut rester dans les règles, dans les clous, et à partir de ce moment-là, il n'y a aucun problème pour pouvoir se développer. Respecter les procédures. Tout à fait, les procédures, les codes. Il y a les codes de la ville de Chicago, il y a les codes des comtés, il y a les codes de l'Illinois. Donc, il y a beaucoup de codes, mais bon, il y a de nombreux avocats aux États-Unis qui nous aident à pouvoir se sortir de toute cette paperasserie. Mais voilà, c'est comme partout. Vous êtes d'accord avec Pascal ? Tout à fait, oui. Généralement, souvent, les Français pensent que quand on va aux États-Unis, plus que simplement dans l'Illinois, on pense qu'on peut aller là-bas et puis on s'installe, et puis les gens, c'est facile, on a quelqu'un, puis s'il ne fait pas l'affaire, on le licencie tout de suite, etc. Certes, au niveau du droit, on a le droit, mais après, il y a les jurisprudences qui vont faire... Les spécificités qui vont faire que... Il y a le côté humain qui dit, non, vous n'avez pas le droit, une femme qui est enceinte, certes, a le droit de la licencier, mais elle est enceinte, et face à ça, la jurisprudence vous donne tort. Et là, des fois, c'est peut-être plus... Les sanctions sont peut-être plus importantes qu'en France. Oui, c'est des on-dit. Oui, tout à fait. Alors, puisque l'on parle de procédures et de règles, on va examiner les spécificités de l'Illinois en termes de charges sociales et de TVA. Et pour ce faire, on va écouter Olivier Sureau, qui est expert comptable et conseiller du commerce extérieur de la France et qui a un cabinet à Miami, à Los Angeles, à San Francisco et peut-être très bientôt à Chicago. Donc les particularités de l'Illinois et notamment de Chicago. Tout d'abord l'Illinois, quand on compare le taux de charge sociale au niveau fédéral, il y a une charge sociale en plus qui se rajoute, qui est l'allocation chômage. Cette allocation chômage pour les nouveaux employeurs, son taux est de 4,15%. Elle va s'appliquer jusqu'à ce qu'on atteigne 12 900 $ par salarié et par an. Et au niveau de la ville de Chicago, vous avez une particularité qui est ce qu'on appelle l'employer tax, qui est une petite taxe qui s'applique, qui est de 2 $ par employé et par mois, dès lors que vous avez plus de 50 salariés au niveau de votre entreprise. Au niveau du taux de TVA, Chicago possède un taux de TVA de 9,25%, donc qui est assez supérieur quand on le compare à d'autres villes des États-Unis et à d'autres États. Donc ça aussi, c'est une particularité qu'il faut bien souligner. Alors, on a évoqué les charges sociales. Vous avez des employés américains ? Oui, tout à fait. Oui. On a des employés qui travaillent pour nous sur Chicago et sur New York aussi. Facile à embaucher aux États-Unis, enfin tout au moins à Chicago. Vous avez c'est comme partout, hein. Il faut rechercher, trouver la bonne personne. Mais voilà, je pense que c'est à peu près partout, hein, dans le monde entier. Vous, Marc ? Nous avons un Français, mais qui habite depuis 12 ans aux États-Unis et qui est en processus de green card pour. D'accord. Parce que la main-d'œuvre est qualifiée sur place. Est-ce que c'est dû aux universités ? Est-ce que c'est dû... Vous
prévoyez d'embaucher du personnel américain ? Tout à fait. Et est-ce que vous savez déjà, par rapport à votre activité, puisque quand même vous faites des instruments de mesure. Carbone, ouais. Vous savez qu'à Chicago, vous trouverez la main-d'œuvre qualifiée qu'il on vous trouvera, faut. On trouvera, et puis les gens sont assez. Si on ne la trouve pas à Chicago, les gens se déplacent facilement pour prendre un emploi. Ils sont capables de venir d'un autre État. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas les barrières qu'on peut trouver, malheureusement, je dirais, en France, sur les États-Unis. C'est... Pascal, on va se quitter. J'aimerais que vous me disiez quelque chose sur Chicago, que vous donniez un conseil à un entrepreneur français qui peut-être a envie de venir s'installer et qui hésite encore. Il ne faut pas qu'il hésite. Voilà, donc je crois que s'il a l'opportunité de se développer aux États-Unis, c'est vrai que Chicago est une ville extraordinaire. Hein. Je crois que si on est tous là, c'est parce que on aime Chicago. Hein. Mm-hmm. Et d'ailleurs, on salue les Américains et les gens de Chicago qui nous regardent. Et c'est vrai que faut respecter les règles, faut être bien entouré au départ. Donc le poste d'expansion économique est là pour aider les Français qui veulent s'installer. Et puis après, une fois que ça a commencé, faut suivre son petit chemin, comme un peu partout. Très bien. Merci beaucoup. Merci. C'est très gentil d'être venu sur le plateau. Marc, vous allez rester d'accord avec nous. Et puis, on va s'intéresser à la fiscalité individuelle à Chicago. On va voir un petit peu de quel ordre elle est. Au fait, la fourchette des impôts de la ville de Chicago commence à peu près vers 5% sur les revenus les plus faibles. Cumulé, les impôts de l'Illinois, Chicago et l'État fédéral commencent donc vers 15% sur les revenus les plus bas et vont jusqu'à peu près 53% sur les revenus les plus hauts. Alors, Juan Luis Goujon est venu nous retrouver à nouveau. Juan Luis, en tant que green card d'ailleurs, hein, aux États-Unis, donc vous payez vos impôts sur place. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Lucius Maida ? Absolument. Je ne contredirai jamais ce qu'il a dit. D'accord, très bien. Absolument. On va aborder le sujet des visas, qui est quand même un sujet important quand on veut partir s'installer aux USA. Et pour ce faire, on va écouter Delphine Martin, qui est consultante senior en immigration du cabinet Carl Waid. Elle va nous présenter les différents visas existants pour les USA. Donc on distingue plusieurs catégories de visas que communément on peut séparer entre les visas permanents et les visas temporaires. Mais avant de parler de ces visas, il est bon de rappeler qu'on peut dans un premier temps se rendre aux États-Unis sous un statut de visiteur d'affaires. Pour les Français, il n'est pas nécessaire d'obtenir un visa pour de courtes périodes puisqu'il existe un programme permettant d'échange entre la France et les États-Unis permettant de ne pas demander ce visa. Les activités possibles sous ce statut de visiteur d'affaires sont la négociation de contrat, prospecter éventuellement les potentiels clients avec lesquels vous aurez une activité plus tard, donc signer des contrats, participer à des conférences. Aucune activité permettant un profit sur place, mais qui peuvent vous permettre de débuter, en tout cas d'anticiper le démarrage de votre activité et de nouer les contacts et faire les formalités nécessaires pour une demande de visa plus long vous permettant d'exercer cette activité. Pour des séjours de plus de 6 mois, il sera nécessaire de faire une demande de visa B1 auprès des autorités consulaires américaines. Pour les visas vous permettant d'exercer une activité plus longue, notamment en tant que créateur d'activité, nous conseillons le visa E2, le visa investisseur, qui vous permet là de démarrer une activité sur le territoire américain. Les autorités américaines voudront vérifier que vous avez effectivement l'intention de développer une activité et de créer du profit sur place, pas uniquement de subvenir à vos besoins en créant une activité. La demande se dépose directement auprès du consulat des États-Unis à Paris et vous devrez démontrer que vous faites un investissement substantiel dans cette activité et que votre profil vous permet de démarrer l'activité, que vous avez l'expérience nécessaire. Alors, Marc, je crois que vous, depuis 2009, vous allez, avec votre visa touristique, voir un peu comment... Ne le dites pas trop, si l'immigration américaine nous écoute, je vais avoir des soucis la prochaine fois. Mais ça se passe bien, en plus. Ça se passe très bien, ça se passe très bien, oui. Comme me disait un de mes avocats, il me disait, tant que tu passes avec le visa touristique, c'est pas la peine de prendre un autre visa. Et le jour où ils te diront, c'est la dernière fois que vous rentrez avec votre visa touristique,
Là, il faudra faire envisager de prendre un autre visa, un visa B ou autre visa en fonction de... Alors, Juan, vous, au début, vous avez commencé avec un L1. L1, absolument. D'accord. Et maintenant, donc... Green card. Combien d'années après vous avez obtenu la green card? C'était dans les, je pense, dans les 12 mois. 12 mois? 12 mois après mon arrivée, oui. Il faut initier la procédure. Quand même, là, hein. Oui. Parce que maintenant, ça... Je crois c'est un peu plus difficile, mais c'est tout à fait faisable. Difficile. C'est tout à fait faisable. Est-ce que vous avez des membres de la Chambre qui ont des problèmes, justement, quant à leur visa pour exercer, pour développer leur business? Alors, précisément, c'est une bonne question, parce qu'un des services que peut rendre la Chambre aux Français, aux entreprises françaises qui viennent s'implanter aux US, et à Chicago en particulier, c'est de les aider et de les conseiller sur ce sujet-là. Sur pour le type de visa qui va correspondre. Pour le type de visa, et nous avons des accords qui peuvent faciliter énormément l'obtention de ce genre de visa pour les Français qui veulent s'implanter aux US, qui veulent démarrer une activité à Chicago. Vous avez combien de membres à la Chambre? Maintenant, nous avons 600 membres. 600 membres. Et c'est nos membres, c'est 50-50. Donc, 50% d'Américains. 50% américains, 50% de Français. On est plutôt fiers de cela parce que la Chambre a vraiment une présence dans la vie économique de Chicago, au-delà du monde français. Qu'est-ce qu'on trouve comme activité prédominante parmi ces Français, ces 300 Français membres? On a un peu de tout. On a une partie importante de services. On a une partie plus importante de tout ce qui est industrie. Je dirais que c'est peut-être, du côté français, c'est peut-être 60-40, 60% industrie et 40% services. Alors, avant de se quitter, vous ne regrettez pas le choix de Chicago? Du tout. Et si vous aviez... Voilà. Je le conseille, même j'anticipe vos questions. Oui. Donc, au même titre que Pascal, vous conseillez aux entreprises françaises qui pourraient nous regarder de choisir Chicago. De choisir Chicago. Juan, je sais que la fac organise quelque chose très bientôt. Oui. Et d'ailleurs, vous faites cette opération en partenariat avec Pascal, qui était avec nous tout à l'heure. Absolument. Il s'agit donc de la French Week. Quand ça démarre? Combien de temps ça va durer? Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, la French Week, ça va être du 16 au 23 mai prochain. Et l'idée, c'est de rassembler dans les grandes villes des États-Unis l'importance économique de la France autour des quatre grands axes qu'aujourd'hui le gouvernement veut mettre en avant quand on parle de la France d'un point de vue économique. C'est autour de l'axe mieux se nourrir, mieux se soigner, mieux vivre en ville et mieux communiquer. Donc c'est aussi essayer de sortir un peu des sentiers battus sur l'image de la France. C'est le camembert, c'est le foie gras, et c'est le champagne, le parfum. Mais d'essayer de montrer, d'essayer de faire une démonstration qu'aujourd'hui, l'économie française, les entrepreneurs françaises vont bien au-delà de ce qu'ont été toujours les marques et pour ce qu'on est plus connu. C'est surtout dans l'innovation et donner une image différente de la France à travers cette French Week. Très bien. Merci. Je vous remercie tous les deux. Merci. Et puis, je crois qu'en conclusion, on va dire yes, you can. We love Chicago. You can do it. Très bien. Donc, on se retrouve demain à 10h, destination Jakarta, en Indonésie. Alors, bonne journée à Chicago et à ceux qui nous regardent. Et bonne nuit à Paris. À demain.